Et de retour donc sur Icarus, on a enfin la possibilité d'aller faire cette expédition, cette opération. Il est 8h38, je ne perds pas plus de temps. Opération. Ah, c'était laquelle, voilà, ça commence. Ça, c'est une tier 1. Ouais, c'est indiqué tout en bas. Hein. Ici, tier 1. Et celle-ci aussi. Tier 1, mais en niveau 3. Donc, on va faire la tier 1 en niveau 2. Qui repasse en difficulté 1. On comprend rien. Alors, c'est un scan de région. On a deux jours. Let's go, Maurice. On va aller chercher quoi? Des trucs, là, certainement. Allez, j'ai mon arme. You get to play lab rat for the new Mark 200 prototype laser. Something hush hush about the coolant system. On y va à dos de quoi? On y va avec Simone. Elle est niveau 12. Maurice est niveau 23. Hey. Allez, on va prendre Maurice. Ne serait-ce que pour l'expérience, voilà. Il a l'expérience, Maurice. Jean-Pierre, je sais pas trop où il est. On s'en fout. Donc ça, c'est le radar topographique. Ouais, par contre, ce radar à synthèse d'ouverture inverse a été fabriqué par Lockway Martinez, un important sous-traitant de la défense entretenant des liens étroits avec l'ECA. Donc on le prend, bien sûr. Tu le prends? C'est là, d'accord. Ah, mets-le là, aucun souci. Récupère un radar, c'est fait. Non, j'ai pas besoin de ravitaillement de mission. Localiser l'équipement perdu, scanner la région des terrasses. Alors, les terrasses. Mais il me demande d'aller là. Mais je fais comment pour aller là? Ou ici? En fait, il y a 15 000 régions que je dois scanner. Mais pour le coup, il y en a une que je ne pourrais pas faire. Hein. Celle-ci, je vais pouvoir, c'est sûr. Et encore, non, celle-là, non, ça n'a rien à voir. Ça c'est les zones que j'ai faites lorsque j'ai pour la première opération. Il y en avait une aussi près de la base. Ici, la troisième était là. Là, c'est une nouvelle mission et je ne peux pas y aller. Alors, faut-il passer par là pour y aller? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il me faut deux jours pour la faire et je ne vais jamais y arriver. À moins de passer par là. Bon, j'ai le tenté, on verra bien. Ce que je vous dis. Je ne sais pas quoi en penser. C'est vraiment compliqué et tordu à la fois. Mange pépère, toi aussi un petit peu, on est reparti. Il faut que je me fasse des bandages. Des pâtes antiparasitaires, soufre, fleur de rosée, fleur de roseau. On en a pas là. Dès que j'ai du soufre, j'en récupère. Il y en a là. Je n'ai rien réparé. Voilà, encore une mission bien, bien préparée, justement. Le jaguar, il dégage. Là, c'est bien. C'est pas là qu'il faut aller. Et puis
Puis là, bah, on va descendre. Un dragon du Komodo. C'est bien, on continue, on poursuit. Allez, on y croit. On croise les doigts pour que ce soit bon. Alors ça se dégage. J'espère que c'est pas un cul-de-sac ici. On est parti. Je suis pas pessimiste, hein, mais ça a l'air d'être quand même bien entouré. Hein. Ah, je les vois, les montagnes sont là, sérieux, je vais pas pouvoir passer. Et ici. Ah, ça me saoule. On y revoir après. Un jaguar, on l'évite. Là, encore une fois, c'est super, voilà, génial. C'est bouché. Je suis quand même curieux, j'allais voir. On peut passer sur le côté, hein. Et je pense que ça a été fait exprès. Voilà. Qu'on puisse venir ici. Mais il n'y a rien. Hein. Une fois de plus. C'est mort. Une fois de plus, on ne peut pas passer. Il y a encore plus haut. Hein. Ok. On est passé. Nous sommes passés, on est où? On est en plein dedans. On est en plein dedans, mais... Bah, tout est bloqué. Tout est bloqué. Je ne peux pas passer là. Il n'y a rien, on est d'accord qu'il n'y a même pas un col. Ah, eh non. Il va y avoir quelque chose. Il n'y a que dalle. Que dalle. Ah, je suis assez, ouais, assez déçu. Bon, c'est reparti, je récupère Maurice. Je sais pas trop où il est. Il est peut-être mort. Allez, Maurice. On s'en va. On s'en va, on décolle. Et du... pour le coup, on va aller, on se rejoint ici. On va essayer de passer là, il y a d'avoir quand même un passage dans la neige vers... vers le biome, là c'est vraiment, c'est très fin hein. Donc j'espère qu'il n'y a pas un grand mur encore. Allez c'est parti, on teste. J'ai quand même un doute car la dernière fois qu'on est venu, il ne me semble pas avoir vu un passage. Après on ne s'était pas vraiment aventuré très loin. On avait juste tué l'ours, l'ours unique. On a également récupéré le Tusker. C'est-à-dire Simone, bien sûr. Alors, par où? Par là. Et un bel ours. Saloperie! Ah, j'ai pris des dégâts! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
Oula. Aïe. Aïe. Pourquoi j'ai attaqué? Bon, j'attaque, hein. Je sais pas trop ce que c'est, une sorte de gros scorpion géant des neiges. C'est n'importe quoi. Pour moi, ça sera failli gros. Hein. Ok. Ah, mais c'est des créatures débloquées, scorpion arctique. Et pour le coup, bah, on va le dépioter. Hein. Normal. Hein. Voir ce qu'il y a dedans. Dans ce polaire, faut que je le récupère aussi. Hein. Ok, bah, je prends tout, hein. Je prends tout ça. Et l'ours, pareil. Il va y avoir du pelage. Pelage arctique. On prend. Cool. Sac à dos plein. C'est pas un problème. Car. Ah bah cool, j'ai dit un faux pied, un licon. Génial. Car on a Maurice. Et quand on a Maurice avec nous, tout se passe bien. Non, tu fais ça. J'ai même avec moi du humidificateur, j'ai même du charbon de bois, j'ai tout ce qu'il faut. Mais en termes... Donc c'est par là, hein. Logiquement c'est par là. Ouais. Sauf que ça va être fermé encore, ouais, donc je sais, voilà. C'est très compliqué. C'est même agaçant. Je mets la lampe torche pour me refaire un petit peu de chaleur. Il n'y a rien. Même pas un passage, il n'y a rien. Non mais sérieux, je fais. Moi je sais pas en fait. Hein. Je descends mais bon j'y crois pas trop. Hein. Mais non, forcément qu'il n'y a pas de passage. Ça serait trop beau. Ok. Bon. Bon, c'est réglé. Alors, n'ayant pas de passage. On rejoint cette zone... Comment? Par là? Non, ça va être pareil, ça va être coincé. Ici, ça bloque. Ici, ça bloque. Donc Jean-Pierre vient d'être tué par un ours niveau 50, bah ça fallait que ça lui arrive. À force de vouloir se battre partout, donc là on a notre petite picoque qui est restée ici. On va rentrer. Allez. On rentre pour la nuit. Mets un peu de bois. Ouais, tu mets tout. Ça tourne, on est content. Hop, voilà. Parfait. Maurice est là. On récupère notre bois. On récupère le feu également. Allez, on se dépêche. Ok, le lit. Vite, 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 vite. On ferme. Merci l'abri. Et ici, donc, on remet... on va remettre le feu de camp et le lit. Là, ouais, ça me fait mal ça quand même. Ça me fait très très mal. Il me reste 28 cartouches. J'ai pas trop d'emplacement. On verra, j'en ferai de toute façon. Allez, on pépère, on est parti. Pour le coup, c'est par là. Je vais mettre un repère. Ah, t'aimes pas quand je fais ça, je sais. Allez, go. Go, go. Ah, il faut que je mange. J'ai faim. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage aussi. Je peux pas. Bon, tant pis. Ah, mais tu le prends, le steak, voilà. Allez. Oh là. Un mammouth. Ah, il est pas content, le gars. Le gars n'est pas content. Un ours.
je me barre. Je me barre. Oui. J'ai bien fait. Voilà, ça descend. Alors déjà, ça descend, c'est bon signe. Ça sous-entend que je peux tomber. Est-ce que je pourrais remonter? Eux là. Oh, on peut y aller. Hein. Oh, c'est trop. Non mais c'est trop. Non mais les gars, on peut être sérieux 5 minutes ou pas? Trouvez-moi un passage pour passer. Je tente là. Ouais, c'est bon, c'est passé. Allez, go. Adviendra ce qu'il adviendra. Soit je meurs dans notre souffrance. Ouais, ça me rappelle de mauvais souvenirs quand même, hein, cette neige. Ah là, on avait tout perdu. Tout perdu. Donc là, on va essayer de pas faire la même erreur. Oh là, oh là, oh là, calme-toi. Ouais, je te sens un petit peu trop enthousiaste, le père Glumotte, là, doucement. Voilà. C'est beau. Quelque part, c'est beau. Hein. Tout ce blanc. Bon, il y a un Tusker, c'est un Tusker, ça? Oui, c'est un Tusker. Quand même que je me méfie qu'il n'y ait pas de sale bestiole. J'ai de quoi fabriquer un abri rapidement. J'ai un peu de bois. Bon, je ferai bon, 1 sur 1. Ok, c'est bien par là. Bon, j'ai pas trop le choix au niveau de la direction. Ah, c'est peut-être derrière là-bas. Bon, je vais choisir par là. Car par là, ça remonte par où on va aller. Tout simplement. Tout simplement. Il y a un geyser. Il y a un geyser. Qui dit geyser dit eau? Non? Peut-être pas. Un Tusker, un ours là-bas. Oui, il y a un petit peu de... Un petit peu de... De bête sauvage. Mais bon, s'installer ici, c'est... Au final, c'est pas terrible. Bah, y'a rien. Y'a pas d'arbres. Y'a pas d'herbe. Donc, pas de fibres. Pas d'arbres. Pas de branches, du coup. Voilà, attention. Ah, j'y vais. Je suis un fou. On débloque la carte ou pas? Est-ce qu'on dévoile? Oui, on dévoile. On dévoile. Arrête. C'est quoi ça? On poursuit. Ça dévoile, ça dévoile. Oh la vache, c'est super étroit le passage là. Oh là là. S'il y a un ours, je suis con. Il est là. Il est là l'ours. Ah, tu m'auras pas. Ça devient un peu n'importe quoi cette mission, je vous l'accorde. Des arbres. Oh, changement de biome. Changement de biome. On n'est pas bloqué. Oui. Winter. Oh là là, weather. C'est de la pluie. Oh, sérieux? Ah, je vais me mettre ici. Hein. Pas le choix. Eh, c'est parti. Allez, vite, vite. Artisanat. Il me manque des fibres. J'ai pas de fibres. J'ai pas de fibre, vite, de la grosse fibre.
Oh là là, vite, de la fibre. Non, c'est pas une fibre. À la vitesse que ça monte. Oh la catastrophe. Vite, plancher, là tu m'en fais 4. 2. Allez, go, 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 go. Oh, je sais même où je suis. Hein. Je pose. Je monte. Ok. Bon. On est bien, là. On est pas mal. J'espère que Maurice va pas se faire attaquer. Je me mets sur le pétard au cas où. Prêt à dégainer. Mais je crois que la tempête elle est passée. Hein. Non. Elle n'est pas passée. Mais Maurice, il vient avec moi. Voilà. Il me reste plus que lui. Faut le protéger. Allez, mange un peu mon lapin. Allez, oh là là, il nous reste plus rien en flotte. Maurice, on fait comment? On fait comment? C'est la misère. Ah, je pourrais, j'ai de quoi faire un, je pense, un purificateur. J'ai le charbon sur Maurice. Les pierres, ça se trouve facilement. Après, il faut que je trouve un point d'eau. Tout simplement. Voilà, un purificateur d'eau de pluie de base. Bon, on n'en est pas là encore. On est toujours sur le coup de la tempête. Tempête en vue, non, mais c'est fini la tempête là. Oui, c'est fini. Allez, on récupère tout ça. On récupère et bah on se met ça là, hein. C'est pas un problème. Let's go. Ça, ça dégage. Ça aussi. On tuera des bestioles là, là où on va. Je sais même pas où on va d'ailleurs. C'est parti. Il est 10h27. On a retrouvé notre biome vert. Alors je pensais pas retrouver ça, je pensais trouver le biome désert. Ah d'accord, ok. Oh sérieux. Alors en même temps, ça se trouve, c'est dans le biome vert la première région à cartographier. Ah 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 ah. Et pour le coup, on est pas mal. Mais ce qui est compliqué, c'est s'il faut qu'on retourne chez nous. Ça, ça va être très long. J'ai encore une lacération. Et pour ça, il me faut des... Je sais plus trop ce qu'il me faut. C'est quoi? Attendez, je vais regarder vite fait. Antiparasitaire. Ouais, bah encore une fois, antiparasitaire. Et l'antiparasitaire, il se fait avec des fleurs, avec des roseaux, je crois. Bandage réfin, antiparasitaire, c'est ça, des fleurs de roseaux. Qu'on n'a pas. Pour le coup, qu'on n'a pas car il n'y a pas d'eau. Alors j'espère que dans cette zone il va y avoir justement une flaque d'eau. Oui, c'est qui crie? On débloque ou on débloque pas? Oh là, ça doucement. Donc par là il y aurait une bestiole légendaire ou sauvage, le gros boss. Alors, c'est pas le but de la mission aujourd'hui. Je pourrais les tuer, hein, moins 50% de dégâts. Mais non. Nous, on cherche le rendez-vous pour l'emplacement de la carte afin de scanner la région des terrasses. Ah, il y aurait de l'équipement perdu, donc déjà, bon, ça serait un moindre mal. J'ai deux blessures. Non, sérieux. J'ai pas fait gaffe. Blessure profonde. Kit de suture, j'ai ou pas? J'ai plus? J'en avais plein de kits de suture.
Oh là là là, kit de suture, c'est ça. Il faut du cuir, génial. Bon. Une bestiole, s'il vous plaît. Ah bah viens là, toi. Non, c'est pas un loup, c'est un dragon. Dragon. Ok. Faut que je me bagne. Faut que je me bagne car il y a le débit qui va arriver. Allez. Prends ça uniquement. Je lui laisse le reste. Il est Maurice. J'aime pas tellement que tu me suives pas. Suis-moi. Voilà. Là, on se fait rapido 5 kits de suture. On n'a pas le choix. Hein. Pas le choix. C'est important. Voilà. Déjà, ça de gagner et ça de soigner surtout. Un petit lapinou. On y est dans la région des terrasses là, hein. Ça va être au-dessus qu'il va falloir que j'aille ou comment ça se passe? Ah, c'est juste là, hein, sérieux. Ah, je crois qu'il n'y a pas d'eau. Hein. J'ai pas vu de flotte. S'il n'y a pas d'eau. Bon, on est mort. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Moi, j'arrive à condenser la flotte avec un récupérateur d'eau, mais sinon on est très très mal. Ah, j'ai quelque chose de rouge. C'est ça? Ok, scanner la région des terrasses. Alors par contre, ouais, je la sens pas la région des terrasses. Il y a une magnifique grotte juste là. Voilà. Tu restes là. Surtout, tu ne bouges pas. Car il pourrait y avoir des bestioles. Hein. J'ai vérifié qu'il n'y en ait pas 2-3 à l'entrée d'ailleurs. Récupère tes flèches. D'accord. Ok. Ah oui. Non. Il reste pas qu'une flèche quand même. Artisanat. Comment ça se fait? Comment se fait-il que je n'ai plus qu'une flèche? Ok. J'en fais 20. J'ai du cuir en plus, autant profiter. Et nous, on est parti, on va installer ça. On a du jaguar, on a du loup. On est bien là. Hein. Il y a de l'ours. C'est quoi cette zone? Ah non, mais c'est pas possible. Ok. Ok. Je prends. Non mais il y a tout, tout vient. Terrenus. Je vais le dégager. Voilà, ça dégage.
Et ici, je place la bestiole. Active la station. Activons. Looks like the unit's ready. Allez, c'est parti. On va jouer. Des pierres pour réparer la lance. Ça dégage. Ok. On a combien? 17. Super, hein. Dégage. Ils sont en train de me mettre la misère. En vie, on est pas bon. J'ai plus de vie. C'est ça le problème. Allez, 70%. On y va. On y croit. Ah, sérieux ? Vite. Allez! C'est bon? On a fini? Ah, je suis mort. Et voilà, bien joué. Bien joué, bien joué. Non, mais là... comment vous dire? Je pensais qu'il y avait juste un scan à faire. J'avais peut-être pas forcément assez de flèches. Je suis mort très très loin. Et vraiment très très loin. J'aurais dû faire une picoque avec un lit, mettre un point de spawn. Car là, je vais réapparaître ici. Et je suis à pied. Hein. Bah, j'ai mon Tusker, mais je n'ai pas de sel.
comprenez mon désarroi. Hein. Je sais pas quoi faire. De toute façon, j'ai pas le choix. Je suis obligé de réapparaître ici. Une catastrophe. Voilà, génial. On a repop dans notre lit. Oh là là. Ah, je suis dépité. Hein. Je suis dépité, même dégoûté, car... le temps de repartir là-bas... Je sais même pas si ça vaut le coup que j'y aille. Hein. Ah, j'ai pas mal de matériel, hein, je sais bien. Hein. J'ai Maurice aussi. Hein. Bon, Maurice, de toute façon, lui, il est mort, hein, c'est sûr et certain. Je l'ai mis sur... sur rester, donc il va rester, puis il va crever. Là-bas. Il m'agace au système de quête, là, mais bon, c'est ma faute aussi. Je suis parti un petit peu sans préparation. Je suis un peu dégoûté. Mais un peu beaucoup. Et pour le coup, on va s'arrêter là. J'en ai... ouais, ça fait deux de suite. Là, c'est la guigne aujourd'hui. Hein. Tout à l'heure, j'ai fait la vidéo de 7 Days to Die que vous avez certainement vu hier ou avant-hier. Où, bah forcément, la horde me fume direct. Et là, pareil, expédition pourtant simple, hein. Sur le papier, mais pas assez de bandages, j'enchaîne pas assez bien mes bandages et puis mes et le reste. Et ouais, avec une vingtaine de flèches, c'est pas forcément suffisant. Donc on va remettre en place une petite expédition et puis on va y retourner, mais là faut que je digère déjà ça, car c'est très très long, faut que j'en fasse de l'équipement. Ça va être compliqué, car je peux pas repartir comme ça. Oh là, puis je me fais attaquer, j'ai rien, j'ai pas de ressources. Voilà, j'ai que dalle là. Par contre, faut que je fasse attention. Ouais, bon, très bien. Bah écoutez, moi, de mon côté, j'essaie de refaire un peu tous les stocks pour repartir de plus belle. Et on essaiera enfin de réussir cette opération sur la prochaine. Ah, j'ai pas. Bah non, j'ai pas le moral. J'ai pas le moral. Mais ça va passer, vous inquiétez pas. Hein, on en a vu d'autres. Même pire encore. Pire! Viens là, toi. Voilà, viens ici. Ouais, bah tu viens au lieu de faire blablabla. Allez, dégage de mon entrée. J'ai plein de choses à faire à l'intérieur. Faut que je me refasse une tenue en plus polaire. Enfin, oh là là, la totale. J'avais plein de choses intéressantes en plus dans mon sac. J'avais des. Bah, j'avais du polaire. J'avais toutes mes armes. Faut que je refasse le fusil. Faut tout refaire. Alors après, le fusil, oui ou non. Ce qu'il va falloir surtout que je refasse, c'est la tenue polaire. Une selle. Pour le tusker, éventuellement, un arc, et plein de flèches, une grotte bien sûr, et de la bouffe pour tenir jusqu'à là-bas. Et normalement ça devrait être bon pour récupérer tout le matos. De toute façon on verra bien sur la prochaine vidéo si j'ai ramené Maurice ou pas. Bon Maurice j'aurais pas ramené, hein. D'ici à ce que j'y aille, il sera mort de faim ou de soif. En tous les cas on aura récupéré le matériel, et d'ailleurs on repartira peut-être de là-bas, sur la prochaine vidéo, si jamais tout va bien. Je referai une bicoque, car c'est un biome, j'espère qu'il y a de l'eau. S'il y a de l'eau, je m'installerai une petite bicoque sur le bord du lac ou du fleuve, ou de la rivière, et on repartira de là-bas. Voilà. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, malgré, je dis bien malgré, cette grosse défaite, cette grosse déception, et à mettre un commentaire, hein. J'y répondrai au plus vite, et à vous abonner à la chaîne, c'est toujours gratuit, si vous voulez suivre la suite des aventures catastrophiques de Glumoth sur Icarus. Voilà, bah écoutez, merci à vous et à bientôt. Bon, j'ai pas envie de m'arrêter là, la mission est toujours d'actualité. J'ai passé 2 jours déjà, je sais pas du tout si c'est encore valable vu qu'il était indiqué 2 jours. En tous les cas, j'ai refait une tenue, j'ai refait sécher 2-3 trucs, de la viande, j'ai pas eu le temps de la saler. J'ai refait de l'équipement en pierre, à part l'arc que j'ai fait sur la forge. Couteau en pierre, lance en os, une torche débile, deux gourdes d'eau. Voilà, j'ai refait également une poche à oxygène. Non, par contre, oui. J'ai bien fait de regarder, car j'en ai fait une deuxième. Voilà. Et pour le coup, celle-ci, je vais la remplir à fond. Ok, parfait. Et on est parti. Sur Hélène, il y a lit-camp, feu, du charbon et des cuirs. Et on se rejoint là-bas. Quoi qu'il arrive, il faut que je retrouve Maurice ou sa carcasse.
train de voir si je peux récupérer ce qu'il y a dedans, même si bon. J'ai peu de doute là-dessus. Je ne la retrouverai pas. Je crois que c'était lui. C'est quoi ça qui passe? Maurice est là! Maurice est là! Oh la belle surprise, dis donc! Notre pépère Maurice n'est pas mort. Ah mon pépère, tu vas nous suivre. D'accord. Pour le coup, je vais te remettre un petit peu d'eau. Moi, ça a l'air d'aller. Hein. Allez, viens. On va récupérer notre corps. La balise. J'aime pas dans ce qui passe. Hein. Tout prendre. Bah non. Ça va être détruit. Allez, je le récupère. Le radar. Aucun radar détecté. Donc le scar des grottes, c'est fait du coup. Bon, visiblement. C'est quoi ça, c'est un ours? Non. Ici, on met un peu de bois. Et on dort. Ah! Il faut que je mette une autre protection. Voilà. Parfait. Ah bah non, du coup on va rester là. Vu que la prochaine c'est dans la neige. D'accord. On va rester ici.